Hey, on y va. Hey. Ils sont tous jaloux. Bonjour à la presse, bonjour à tous les invités, les fans qui sont derrière. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. C'est ma première fois que j'ai fait un conférence de presse ici à Kinshasa. Quand je viens de loin, je vois que je suis bien ensemble avec vous ici. Alors, je remercie Papy de m'inviter et je remercie qu'il a avec moi. Je suis rappeur, chanteur, basé aux États-Unis, congolais. C'est-à-dire que vraiment, je suis là à donner un petit sens à ce que je vois comme le nouveau Congo. Et franchement, ça fait plaisir d'être là. Merci. Voilà, je rappelle que Yann Pabri, c'est parmi les artistes qui ont signé dans les labels de Jay-Z, ça il faut le souligner aussi. Mais tout au long de cette conférence de presse, nous aurons l'occasion de découvrir dans les détails. Donc, comme nous savons, on va passer le micro à la presse. Vos questions seront le bienvenu. Yann Pabri évolue aux États-Unis d'Amérique. Il s'éclame, moi dans mon cas, c'est le titre de l'album d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des Congolais qui ont contesté la nationalité congolaise, raison pour laquelle tu rappelles et tu es moi dans mon cas en Lingala? D'autant plus que ici même, on remarque aussi que Lingala n'est pas fluide pour Yann Pabri. Donc Yann Pabri, s'il faut traduire littéralement, jeune de Paris, au lieu d'être jeune Congolais comme un avocat. Les gens, quand je suis à Paris, ils vont commencer à me préparer. Mais je te dis, pour répondre à des questions, il y a personne comme artiste qui peut, au contraire, dire que je ne suis pas le Monamboka. Chaque fois, si je suis avec le voyage, si je suis avec les familles, je me passe par Kofi, chaque fois, il dit vraiment Monamboka. Parce qu'il voit que je soutiens la fierté congolaise. Quand je dis Monamboka, ce n'est pas que moi, il y a tous des Monamboka. C'est la mentalité, tu vois, vraiment c'est la mentalité. C'est juste à dire qu'il n'y a pas de combat quand je dis que je suis dans mon avocat, c'est pour ça. Parce que vraiment, il y a le respect qui vient avec ça aussi. Des fois, tu ne vois pas mes noms, mais je prends mon mariage. C'est culturel, ça vient de la culture du Congo. Quand j'explique à mon père, et il a fait son mission, il est mort depuis 2012. Et j'ai continué sa mission. C'est-à-dire que vraiment, je suis là à montrer qu'il y a une mentalité, il y a une fierté des Congolais de loin, et je suis là pour vous. Franchement, je suis vraiment là pour vous. Bonjour. Je suis Tony Coco de la RTGA. En fait, Yann Pabri, la culture d'autres cieux, plus précisément celle des États-Unis d'Amérique, continue d'envahir l'espace culturel congolais en général. Et les espaces culturels qui ont particulier. Vous êtes en collaboration étroite avec Sean Corey Carter, alias Jay-Z. Alors, dites-moi un peu, comment avez-vous tissé le lien avec ces grands artistes américains? Et puis en plus, est-ce que vous avez déjà réalisé quelques featuring avec Jay-Z? Une autre question. Tantôt, on parle dans la biographie que vous êtes Congolais de Kinshasa, tantôt on parle de vous Congolais de Brazzaville. Allez vous fouiller, vous allez voir votre biographie. Je ne sais pas si c'est par inadvertance ou il y a quelques erreurs commises. Voilà deux petites questions. Paris, en attendant, vous souvenez, en attendant, merci. J'ai pas de fusion avec Jay-Z.
Je ne pense pas que ce niveau, c'est vraiment son thème de marcher avec des artistes congolais. Même avant moi, je pense qu'il y a même trouvé une tête de Fali et Kofi. Mais à ce moment, je pense que c'est vraiment une nouvelle relation de comment on va monter dans le marché en Afrique. C'est pourquoi il a choisi. Je pense que Beyoncé est plus intéressée. Je parle de Beyoncé. Mais quand je compare les côtés kinoises, les Zélibas, il y a aussi mes grands-parents qui sont kinoises. C'est-à-dire que quand il y a ces relations, il y a mon père qui est les Zélibas. Quand j'ai élevé, j'ai dit que bon, c'est un corps, c'est un corps quand même. Je ne vais pas négliger un côté pour l'autre côté. J'ai tout mon corps, si tu parles de toi, si tu vois de loin, quand on parle de Congo, c'est Congo. On ne pense pas que les deux côtés. Alors j'essaie de mettre mon train de mentalité dans plus large. C'est-à-dire que s'il y a même des problèmes ici locaux, on est vraiment congolais ensemble. Des fois, je sais comment ça se passe. Je suis à New York City, on va à New Jersey, on va les quartiers à côté, on dit c'est pas nous. Mais demain, vous voyez, c'est New York. Vous voyez, c'est les États-Unis. Mais même dans les États-Unis, on n'est pas d'accord avec France, tu vois. C'est la mentalité avec qu'on est vraiment ensemble. Alors c'est la musique, c'est ce qui m'inspire, tu vois. Des fois, si je passe mon temps à l'aéroport, je suis inspiré par les artistes là-bas, j'ai fait un disque, mais je suis musicien, je suis artiste. Je suis inspiré par le monde entier, qu'est-ce qui m'inspire à un moment. À ce moment, je vois que je veux être à côté de mon pays. C'est pourquoi j'ai fait un projet, ça fait un an, pour montrer que voilà, finalement, je suis congolais. Même si j'ai mon succès là-bas, je suis congolais. Et faire la musique d'un congolais. Si vous avez parlé un peu là-bas, on va connaître. Moi, j'ai chanté, quand j'ai vraiment fait du mal, j'ai mangé français. C'est le premier problème. J'ai fait cette même musique. Mais c'est vrai. Vous parlez seulement de la chanson. C'est quoi la culture que vous voulez vendre pour que les autres pays, les autres artistes? Merci. Oui, on va voir que les gens qui connaissent pas du tout. Après, pourquoi on pense à la culture congolaise? Il y a beaucoup de niveaux, mais c'est pas ce qu'on a dit. C'est notre barrière, c'est notre charisme, de parler de la façon qu'on parle des choses, de la façon qu'on fait des choses, de tabac, de la façon qu'on mange, de l'humain. J'ai essayé de montrer qu'il y a vraiment un culture qu'on pense que c'est. Et franchement, la fois qu'on ne peut pas enlever la mort, tu vois, quand j'ai chanté, pour voir comment je vais mélanger le gars français et l'anglais. Mais moi, je suis un gars, je viens de toi et je suis congolais, je suis français, je suis américain. C'est-à-dire que je viens toujours mélanger les trois. Tu vois? Et c'est vraiment. C'est pas aussi une question de langue, parce que je sais qu'il y a ici au Congo, il y a même 300 langues. C'est pas juste les gars qui font. Il y a plein de Congolais qui ne parlent pas le Ghana, il y a plein de Congolais qui ne parlent pas le Congo. C'est libre, je pense. Il n'y a pas un nom qui montre la fierté de la culture en total. C'est vraiment la mentalité de la façon qu'on fait les choses. C'est ça que j'essaie de montrer. Même si tu ne vois pas de loin, tu vois bien, c'est moi, mon pays, les Congolais. Faut que l'on puisse attendre de votre album qui s'intitule Moi Namoka. Et la dernière question, qu'attendez-vous du public congolais? Un public qui est habitué de la rumba congolaise, un public qui est habitué des malèves de MPM, Bonio Manegues, Mawende. Alors, qu'est-ce que vous apportez de plus à ce public pour qu'il puisse croire en vous et gagner votre confiance? Merci beaucoup. Merci. Il est parti à la base, c'est mon amour. Il n'y a pas de relation. Moi, je suis basé en Amérique, en Europe quelque part, mais on est tous congolais. Même s'il dit ça, c'est la fierté de cette même mentalité que, même si ce n'est pas la base, on suit. Bon, si vous écoutez la bande, tu vois, il y a Casco Iglesias qui a bien chanté, il y a Alip Desol qui a bien chanté, il y a Pissant de Mouachi qui a bien chanté. J'essaie de mélanger la jeunesse avec. Les grands-mères de ce pays. Et je soutiens bien la jeunesse, je pense qu'ils sont dans le même niveau que moi, c'est qu'il y a vraiment un nouveau style, un nouveau sang qui vient du Congo là. Mais on soutient, on représente et on respecte toujours
la musique à la base. Quand tu entends la musique, même la musique de mon mari, tu entends, il y a toujours un petit moment, il y a un mouvement. Tu vois, des fois, il y a un peu de tremblement. J'essaie de mélanger bien avec le producteur, je lui dis que bon, si même il y a un son qui est rare, faut un peu des guitares, faut chanter, faut montrer un peu le côté qui soutient vraiment le thème. Qu'attendez-vous du public? Qu'attendez-vous du public? Parce que tu attends du public, Mais en même temps, j'attends à voir. Je viens lancer la voix, donc j'attends de voir comment il y a réponse. Et franchement, je pense que la réponse est énorme. Je pense que la jeunesse, les gens qui soutiennent et qui t'ont. Comme je passe avec les grandeurs, et même la jeunesse, ils disent que vraiment la danse est entendue. Et c'est ça qui tend vraiment les relations avec la presse. Et de façon que je vous respecte parce que j'ai besoin de la presse. À me soutenir, pour moi, je fais les travaux ici. Parce que c'est vous qui tend vraiment l'image de Paris, comment on pense à Paris. Voilà, vraiment, le côté presse est super important. Ok. Monsieur Hakim, on sent un artiste engagé qui a le souci de se faire connaître chez soi. Et apparemment, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment facile parce que la dernière fois que vous y étiez, l'autre fois, il devait y avoir un concert ici. Vous êtes sans connaître qu'il y avait banni deux gens parce que les gens ne vous connaissaient pas. De l'autre côté, on suit les promesses que vous faites, les efforts que vous fournissez au niveau des États-Unis, on vous accepte. Alors la question que je pose, avez-vous toujours le même manager? Parce que là, on ne parvient pas à vous vendre ici à Kinshasa, ce qui semble être compliqué, voilà ma question. Et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre sur place? L'autre fois, c'était le concert, on avait fait une émission très élaborée, publiée à la fin. Il y avait plusieurs projets en même temps, mais aujourd'hui, vous venez avec un album. Et en même temps, il y avait des concerts qui devraient se jouer ici avec le Paris. Qu'est-ce qui vous manque en fait? C'est quoi le problème? Parce que on sent ces soucis-là de vous faire connaître ici. Mais apparemment, je suis là une, deux fois, vous êtes rentré. Ça ne m'arrive pas toujours à l'issue. Ok. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, je suis dans la mission de Dieu. Je pense que c'est Dieu qui guide mon chemin. Et s'il veut. Ça réussit, il veut, ça marche pas. Moi, je suis vraiment un fils de pays, je suis là, je peux m'appeler, mais je ne pense pas où, si il y a un marché qui marche bien, et qui marche bien ou qui ne marche pas. Là, avec le pandémie, on commence à faire des choses, on a pensé que. Je pense qu'avec le coup de feu, ça a vraiment fait des choses, parce qu'on avait avec le niveau de pensée, avec la bombe, il y a des soirées, il y a des choqués, c'est tout qui est arrivé. On a bien calé ça, mais bon, c'est pas lui qui peut contrôler. Mais en termes de management, j'ai beaucoup d'agents qui viennent pour moi de loin, quand ils sont en Belgique, en France et les États-Unis. Mais il faut penser aussi ici, c'est un nouveau marché. C'est vraiment. Grâce que je parle français, je chante dans le galin. Il y a des oreilles ouvertes. Parce que à la base, je chante en anglais. Je fais musique à focus sur la. C'est à apprendre à penser, à bien apprendre le lingala, comme ça je peux mélanger ça avec mon univers, de comment je peux faire la question de la musique. Parce que maintenant, quand je pense à mon carré, j'ai trois niveaux, j'ai l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. C'est ça que je cherche. Et dans ce niveau, maintenant, quand je suis là, je pense que si je prends un album pour commencer à montrer que je suis là, ce n'est pas que je suis fini, je peux continuer de collaboration, à côté de les featuring. Franchement, c'est le plus grand marché ici en Afrique, surtout ici au Congo. On est là pour, on dit en anglais, le long road, on est là toujours. En termes de featuring, il y aura des showcases. Oui, s'il y a le Covid qui le laisse faire, on va faire. Je pense que même s'il y a des branches, dans les après-midi, on peut essayer, on peut faire des choses, tu vois. Mais on a essayé de choquer, on a essayé de voir comment on peut faire des soirées, mais avec le Covid, c'est dommage. Sinon, en tant que featuring, c'est le projet ici, si c'est américain, nigérien, je le connais tous, c'est un vidéo de whisky. Okay. Mais je suis là, vraiment, je pense à mon niveau et qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, je veux bien faire un projet congolais. C'est vraiment à la base.
So for people who only speak English and they're Congolese from locally and abroad, what would you like for them to take from this press conference? And what's the message behind it? I love my country. I love my people. Parce qu'au Suisse, Instagram, la fille elle-même, elle est connue même pas en chant de poème.
this connection. C'est la beauté qu'on veut. Tu vois? Alors, quand tu chantes comme musicien, on est comme ça. Nous, on voit la beauté comme on voit la beauté. Même si. On fait le choix comme ça. Bon. On voit un enfant qui est bien en lycéen. Tu vois? C'est-à-dire que quand je vois la beauté congolaise, je vois ce qu'on appelle, mais ça, c'est un niveau d'artiste. C'est-à-dire que même si j'ai décrit son poème, mais c'est vraiment ça parle de la beauté entière congolaise. C'est pas exactement ce que je connais, c'est-à-dire que c'est autour de la beauté. Mais pour moi, si c'est le mot, je trouve que là, c'est la beauté congolaise. Et qu'est-ce que je connais? Je mélange. Sauf que tous les podcasts qu'on a, moi, c'est des gens qui vont bosser avec. De mes interventions et une observation. Je venais joindre mon frère, Jamy, qui parlait du management. Je venais vraiment découvrir l'artiste. Au-delà de tout, je n'avais aucune idée, en dehors de ce son que j'ai déjà entendu, à Kouassa. Je pense que prochainement, vous venez rencontrer une presse que vous ne connaissez pas, prenez soin de leur faire parvenir, soit bien avant, ces chansons. Et on aurait peut-être eu une idée pour parler de cela. Ma question, la première. Pourquoi avoir attendu, après, je compterai des années de votre carrière, finalement vous dites, je vais me mettre face à la presse. Pourquoi avoir attendu longtemps? Et la deuxième, c'est juste pour savoir, après le son avec Ouera, je vais bien savoir comment je vais rentrer dans les chemins qu'on veut. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des priorités. Parce que quand j'ai brûlé comme artiste, je pensais que je n'étais pas prêt. Vous venez ici avec que moi je suis mon amboga du Congo. La base, je vais vous montrer que j'avais mon fierté. Oui, bon, oui, exactement. Là. Il y a deux jours, on a passé par la place de Victoire pour voir comment on peut juste. Le monde en peut congoler, quoi. J'ai passé par le rail. Il a dit, bon, on doit faire le tout. Parce que moi, je suis un gars de ce Dieu, je le fais pour moi et papa. Je suis pas un gars qui vient là, qui dit que oui, je suis un avocat, mais je suis trop bien quand même. Je mets les gens à côté. Je respecte le papa, mais comme ça, c'est une génération avant nous qui a donné toute la puissance pour ça nous prendre. Alors, s'il y a Kofi qui m'appelle, je vais bosser avec Kofi avant la nouvelle génération. Parce qu'ils ont vraiment donné déjà. C'est trop respectueux pour moi, je grandis comme ça. Ouera, il a dit, c'est pas moi qui peux dire à Ouera, on va faire le clip. C'est lui qui va dire oui, mais non, c'est Yann qui va faire le clip. On va faire le clip ensemble. C'est pas le respect, tu vois. Bon, hier, il a dit, on va faire le clip, ça veut dire que même le semaine dimanche, ça, je vois comment clip. Ok. D'avoir accepté d'être en face de lui. Parce que même le Ouera, donc, fait allusion, il n'aime pas être en face de lui. Et vous avez eu ces poupées de pouvoir nous inviter, c'est vraiment une bonne chose. J'ai pas compris, j'ai vu mon jeune frère ici. J'ai commencé à m'articuler pour lui demander qu'est-ce que tu fais ici. Et je n'ai pas compris ma vie de sa présence. J'ai chanté avec lui. C'est une surprise pour moi. Je ne sais pas compris. Il a la rumba de son ADN. Il aime la rumba. Et vous êtes anglais. Ma foi, bon, machin, parce qu'aujourd'hui, il y a des tournures. Il y a la rumba. Il y a la rumba. Vous nous égarez. Non, c'est vrai. Parce que maintenant, au Congo, et ils ont oublié qu'à l'époque, il y avait pas mal avec sa rumba à rumba.
voilà, chacun sa rumba qui est aussi la rumba high-tech. Il n'y avait pas pour les filles. Il y a tous les rumba avec des étiquettes à la fin, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez faire de lui? Vous qui êtes à côté afro, beat, hip-hop, avec quelqu'un qui a la rumba dans son ADN, qu'est-ce que vous avez fait? Qui a vu l'autre? Qu'est-ce que vous avez trouvé en lui que vous l'avez? Merci. Parce que c'est une intention. La révélation à l'action. On a rigolé ensemble, la chanson et franchement c'est lui, c'était le dernier featuring dans l'album. Pour lui trouver lui, c'était un peu dur. Oui, à ça, Chambola, c'est un peu, on attendait, on dit non, j'attends, c'est parce qu'il y a la tête qui vient, il a dit oui, j'arrive. Tu vois, il est comment, on est vivant un peu, tu vois. J'ai dit que c'est vraiment un frère de moi. Mais franchement, c'est ça.
si vous voulez me suivre, il y a Instagram, Adrien Paris, il y a la bande qui s'appelle Mme Boca, qui est sur les réseaux sociaux. Et franchement, la première fois que j'ai pris en compte que c'est tout ça, ça fait vraiment des liens. S'il y a des photos ou pas, vous revenez après, je serai bien disponible pour vous. Moi, ça fait du bien. Merci. Voilà, donc, merci. Ainsi dit, nous disons merci.